Monsieur le Premier ministre, mon très cher Jean-Marc, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil général, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour cette cérémonie de vœux. Une nouvelle année s'ouvre, l'occasion naturellement de faire un premier bilan, mais aussi, et peut-être surtout, de se projeter vers l'avenir, de regarder ensemble le Nantes de demain. Il est sans doute trop tôt pour dire ce qui en 2014 aura marqué notre pays, notre métropole, ou même notre ville. Mais je voudrais partager avec vous ce soir une certitude et observer une réalité. La certitude, c'est que nous vivons dans un monde en mutation. Évolution technologique, circulation accélérée de l'information, défi du vieillissement, urgence écologique, autant de grandes questions qui sont devant nous. Quant à la réalité, nous la vivons, vous la vivez chaque jour. C'est la crise économique et sociale qui frappe durement notre pays et qui n'a épargné ni notre ville, ni notre métropole, même si notre territoire résiste mieux que d'autres à la crise. Alors, dans ce contexte, parfois, une forme de doute s'installe entre le citoyen et l'action publique. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue que plus que jamais, il est nécessaire de donner des repères, fixer un cap, mais aussi sans doute inventer collectivement une autre manière d'agir. Car une nouvelle société se dessine, là, juste sous nos yeux. Nous pourrions faire le choix de la commenter, d'en être en quelque sorte des spectateurs passifs, et ainsi de subir les soubresauts du monde. Ou nous pouvons choisir de prendre notre destin en main, de contribuer à choisir, dessiner ce que sera la ville de demain, la ville de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ce choix-là, précisément, que j'ai proposé il y a maintenant 9 mois aux Nantaises et aux Nantais. C'est cette ligne que nous suivons depuis 9 mois avec mon équipe à la ville de Nantes, mais aussi avec les maires de l'agglomération que je salue ce soir pour leur engagement. À Nantes, collectivement, nous avons des raisons de regarder l'avenir avec confiance. Parce que ici, chez nous, les projets sont nombreux, les talents, les énergies, les potentiels créatifs sont divers. Je pense à tous ces chefs d'entreprise attachés et engagés sur le territoire. Je pense aux responsables associatifs, j'en ai salué plusieurs en arrivant ce soir. Je veux leur dire mon plaisir de les voir encore une fois à cette cérémonie de vœux, mais surtout à quel point ils jouent dans notre rôle, dans notre ville, un rôle indéfectible au service de la solidarité, au service des autres, en renouvelant aussi leur manière d'agir. Agir et choisir pour ne jamais subir. C'est la ligne de conduite que je me suis fixée. J'ai d'ailleurs remarqué que cette formule avait eu un certain succès, y compris dans la sphère gouvernementale. C'est tant mieux. C'est la preuve qu'à Nantes, on peut inspirer. C'est la preuve aussi, le signe, que l'avenir de la France s'invente également dans nos territoires. Alors à Nantes, notre cap, il est clair. C'est l'alliance entre les grands projets qui marqueront l'avenir de notre ville et les projets au quotidien qui font la différence dans la vie de tous les jours. Permettez-moi donc d'abord de vous parler de ces projets au quotidien. J'y suis tout particulièrement attachée, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est de notre responsabilité de trouver, d'inventer des réponses concrètes, efficaces et utiles aux citoyennes et aux citoyens. Mais aussi parce que le quotidien, cette qualité de vie à laquelle nous sommes si attachés, c'est ce qui fait le charme, la singularité de Nantes. Et puis enfin, parce que je crois que dans la période de doute que j'évoquais au début de mon propos, faire la démonstration par la preuve que dans l'action publique, une parole donnée est une parole respectée est la première condition de la confiance. Alors, avec mon équipe, depuis 9 mois, nous nous mobilisons chaque jour, sans relâche, pour faire en sorte d'abord que les droits fondamentaux soient respectés pour chacun.
L'éducation en tout premier lieu, premier budget de la ville, parce que c'est là que tout commence. Oui, c'est à l'école. Oui, c'est d'une manière plus générale dans l'éducation que le combat pour l'égalité des chances démarre. La santé, c'est ce que chacune et chacun d'entre nous a sans doute de plus intime, de plus précieux. Alors oui, Nantes fait partie de ces 12 villes qui gardent un service de santé scolaire, qui permet qu'ici, chaque enfant en grande section ait un bilan de santé. C'est également le sens de notre engagement qui sera tenu pour la création de 2 maisons de santé pluridisciplinaires. Mais c'est aussi la vocation du grand projet de regroupement du CHU, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je salue d'ores et déjà son directeur, M. Sudreau, et la directrice régionale de l'ARS, Mme Courrèges. Le logement, ensuite, priorité de nombreux habitants, condition nécessaire pour élever sa famille dignement. Il est à la base du pacte républicain, du combat pour l'égalité réelle. Dans ce domaine, notre objectif est ambitieux, vous le connaissez. 6 000 logements neufs par an et 2 000 logements sociaux. Mais on ne peut pas assurer les droits fondamentaux sans se préoccuper profondément de savoir si la sécurité est respectée pour chacune et pour chacun. Je veux, à ce moment de mon propos, avoir une pensée pour les victimes du drame qui a touché Nantes le 22 décembre dernier. Je veux redire ce soir à leurs familles, à leurs proches, ma profonde solidarité, notre solidarité collective, celle des Nantaises et des Nantais. En matière de sécurité, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de recette magique ou absolue. Seul compte la mobilisation, l'utilisation de tous les leviers, efficaces, concrets, pour agir. C'est dans cet état d'esprit qu'il y a quelques semaines, j'avais interpellé les services de l'État sur la nécessité d'obtenir des renforts exceptionnels en matière de police sur le terrain. Nous les avons obtenus. Mais cela ne suffira pas. Il faudra d'abord continuer à allier chaque jour l'éducation, la prévention et, quand c'est nécessaire, la sanction, la fermeté. Alors nous allons continuer à travailler dans cette direction, sous l'autorité de Monsieur le Préfet, que je salue et remercie de sa présence, qui a la compétence en matière de sécurité publique. Mais aussi en prenant chaque fois que nécessaire nos propres responsabilités. C'est la raison pour laquelle, dès 2015, nous installerons l'Office de la tranquillité publique. C'est la raison pour laquelle, dès 2015, nous installerons dans les quartiers nantais un îlotage de proximité. Mais le quotidien, ce ne sont pas que les droits fondamentaux. C'est aussi, j'allais dire, tout simplement, rendre la ville, rendre la vie plus facile à chacune et à chacun. À toutes les Nantaises, à tous les Nantais, des plus jeunes à nos aînés, aux familles sous toutes leurs formes. De nombreuses actions ont d'ores et déjà été réalisées dans cet objectif. J'en citerai une. La mise en place du ticket famille, le samedi, pour permettre aux familles de notre agglomération d'accéder au centre-ville de façon encore plus aisée et à un tarif des plus raisonnables. Mais parce qu'à Nantes, on n'oppose pas un mode de transport à un autre, dans le même temps, nous avons décidé de mettre en place, dès 2015 et jusqu'en 2016, 700 places supplémentaires dans les parkings relais. J'ajoute par ailleurs que dès cette année, nous lancerons les études pour l'augmentation de la fréquentation de la ligne de Bussouet, la ligne 4, et le lancement des études pour les 2 parkings prévus dans le centre-ville. Enfin, le quotidien, c'est également la conciliation des temps. Comment, dans notre ville, permettre à chacune, à chacun, de conjuguer au mieux sa vie personnelle, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Au cœur de la conciliation des temps, il y a notamment la petite enfance. Parce que l'éducation, ça démarre dès la petite enfance. Parce que l'emploi et le retour à l'emploi des parents, ça passe par la petite enfance. Parce que derrière la petite enfance, il y a aussi un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes, et vous devinerez aisément que je n'y suis pas complètement insensible. Alors notre objectif est ambitieux, 400 places en crèche dans ce mandat. Mais dès 2015, ce sont 100 places qui verront le jour. Et là aussi, il nous faut aller plus loin, inventer d'autres modes de réponse, être innovant. C'est la raison pour laquelle, avec les maires de l'agglomération, nous allons désormais accompagner et soutenir la mise en place de crèches intercommunales d'entreprises. Parce que quand nous faisons cela,
Non seulement nous accompagnons un nouveau mode de garde, nous offrons un plus aux salariés, mais nous offrons aussi un plus aux entreprises. Et c'est bien ça la singularité de Nantes. Faire en sorte que l'attractivité, la dynamique riment avec la qualité de vie. Faire en sorte que notre qualité de vie amène, améliore l'attractivité et la dynamique. Les petits projets, les grands projets, qui sont la deuxième ligne de force du projet nantais, c'est bien ce qui conditionne une politique de développement économique. Or, moi, je ne connais pas de politique d'emploi sans politique de développement économique. Sur l'emploi, vous le savez, c'est la préoccupation principale des citoyennes et des citoyens. Nous agissons sans promesses inconsidérées, sans déclaration démagogique, mais avec la ferme détermination d'agir chaque jour avec tous les leviers pour avancer. D'abord en tenant nos engagements. Cette année, 400 emplois d'avenir auront été créés. Et en même temps, chacun le sait ici ce soir, la majeure partie des emplois, c'est bien dans le secteur privé qu'ils se créent. C'est la raison pour laquelle le partenariat public-privé est important. C'est la raison pour laquelle la responsabilité d'une grande collectivité locale, c'est d'abord de contribuer avec tous les acteurs, tous les partenaires, à créer un environnement favorable à l'implantation et le maintien d'emplois durables sur notre territoire. Quand on parle des grands projets de cette ville, de cette métropole, on pourrait résumer notre ligne d'action en trois mots. Investir, rayonner et innover. Investir d'abord. Oui, dans la sixième ville de France, il est capital de continuer à investir. Évidemment, la situation financière et budgétaire nous incite à la plus grande responsabilité, à une forme de sobriété. Mais dans un pays où 70% de l'investissement public passe par les collectivités, il est déterminant qu'une ville, une métropole comme la nôtre, continue à jouer son rôle de locomotive, d'impulsion. Plusieurs chefs d'entreprise que j'ai croisés récemment m'ont posé la question. Alors je le dis ce soir, non, ici, 2015, ne sera pas une année blanche. Les grands projets, ils ne manquent pas. Grand projet, c'est évidemment la future gare qui verra le jour dès 2019. Notre soutien actif au transfert de l'aéroport, l'accompagnement du grand port maritime. Les grands projets, c'est aussi tout le débat et le projet qui viendra sur la Loire. Les grands projets, c'est le musée des Beaux-Arts. Les grands projets, encore, c'est la mise en place d'un pôle agroalimentaire d'excellence à l'occasion du déplacement du Mines dans le Sud-Loire. Je sais que les maires du Sud-Loire y sont particulièrement attachés et ils ont raison. Grand projet encore, quand avec Saint-Herblain, nous travaillons à l'unisson au projet global de Bellevue. Ou quand à Nantes, nous lançons le grand projet global de Nantes Nord. Investir, mais aussi rayonner. Rayonner, c'est au cœur de ce qu'est Nantes. Nantes est un port, une ville d'échange, une terre d'ouverture. Nous sommes fixés un objectif, passer le cap de métropole européenne. Je vous invite à observer que le dernier trimestre 2014 aura été de ce point de vue déterminant. Premièrement, avec l'ouverture du lycée international de l'île de Nantes. Deuxièmement, grâce à l'obtention du label Nantech. Je veux ce soir remercier celles et ceux qui ont permis la réussite de cette candidature, car sa singularité parmi tout le territoire français était d'être une candidature collective. Je salue ce soir le président de la CCI, à travers lui ses équipes et tous les entrepreneurs mobilisés dans cette candidature. Le président de l'université, son équipe, et derrière lui les chercheurs, les universitaires, tous ceux qui font vivre l'université et qui ont apporté leur talent, leur engagement dans cette candidature. Mais aussi les start-up, les acteurs associatifs, bref, celles et ceux qui nous ont permis d'obtenir ce label, mais surtout qui partagent avec nous l'intuition que ce n'est qu'un début. Le numérique au service de l'emploi, c'est bien ça le sens de notre mobilisation collective. Le troisième élément déterminant dans cette ambition de métropole européenne, c'est le choix que nous avons fait tout récemment de mettre en place avec la CCI, avec Saint-Nazaire, une agence unique au service du développement économique et de l'emploi pour attirer les talents, attirer les investisseurs. Et puis le dernier élément, vous le connaissez, c'est la présidence d'Eurocities.
Oui, depuis plusieurs semaines, Nantes préside ce réseau de 130 grandes villes et métropoles européennes. Je crois que c'est une chance pour Nantes, pour les Nantaises, pour les Nantais. Contribuer avec d'autres à porter la voix des villes en Europe. Contribuer avec d'autres à imaginer de nouvelles solutions sur des sujets aussi concrets que les services publics, l'emploi des jeunes ou la responsabilité sociale et environnementale. Je veux saluer sur ce sujet l'action dans la durée de mes prédécesseurs à Nantes. Jean-Marc Ayrault, Patrick Rimbert, si aujourd'hui Nantes préside Eurocities, c'est bien le résultat d'une construction patiente, d'une stratégie partagée avec de nombreux élus engagés sur de nombreux sujets. Nantes l'européenne, une belle ambition au service de l'emploi, au service de l'ouverture de notre ville. Alors vous le voyez, notre cap il est clair. L'alliance des grands projets qui marqueront l'avenir de notre ville et de ses projets au quotidien. Mais Nantes ne peut pas agir seule, ne peut pas réussir seule. Nantes est capitale régionale, métropole du Grand Ouest. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer, continuer sans cesse, ne jamais se contenter de gérer les acquis. Continuer à rayonner, c'est pour cette raison que j'ai proposé, par exemple, récemment, que le sport de haut niveau devienne une compétence métropolitaine. Non pas pour une simple raison de compétence institutionnelle, non, mais parce que je suis convaincue que dans une grande ville, le sport comme la culture, la culture comme le sport participe au rayonnement. Regardez le tournoi de hand XXL qui aura lieu à la fin de la semaine et qui verra s'affronter des équipes venues du monde entier. Le sport et la culture. Le rôle de la culture dans le rayonnement nantais n'est plus à prouver. Regardons le succès du cheval dragon. Regardons l'excellence répétée des folles journées. Regardons la qualité du festival hip-hop session. Autant d'éléments mis en valeur et cultivés par le voyage à Nantes pour faire de Nantes une destination touristique à part entière. Et pourtant, sur ce sujet, comme sur tous les autres, nous devrons continuer à aller de l'avant. Il n'y a aucun hasard dans le fait que la première délibération votée au Conseil municipal à Nantes en matière culturelle ait concerné la création d'un GIP pour les cafés culture. Cette aide précieuse à l'emploi, aux cafés-concerts, aux petits lieux et aux petits projets. Oui, dans ce mandat, nous ferons plus sur l'espace public, plus sur l'émergence. Parce que la culture à Nantes, elle s'écrit avec un S, elle est plurielle. C'est ce qui fait toute sa force. Investir donc, rayonner, mais aussi innover. Innover, c'est une condition absolue dans la 6e ville de France, pour être en mouvement. Dans une grande ville, le statu quo, ça n'existe pas. Quand on arrête d'investir, quand on arrête d'inventer, quand on arrête de prendre des risques, on recule. Eh bien, ce n'est pas ça, le choix que nous avons fait. Alors, on innove d'abord en tenant un de nos engagements majeurs, le doublement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pour ça que nous nous sommes, j'allais dire, battus. Le mot est un peu fort, mais je crois finalement qu'il est assez juste. Avec le gouvernement, tout récemment, pour obtenir, dans le cadre du contrat de plan État-Région, des engagements à la hauteur de cet enjeu. 29 millions d'euros seront consacrés sur ce territoire, dans le contrat de plan, à l'enseignement supérieur et la recherche. C'était une condition essentielle pour que nous puissions, avec les grandes écoles, je les salue, et l'université, avec toutes celles et ceux qui travaillent avec nous, mais surtout avec les jeunes, avec les enfants, avec toutes celles et ceux qui veulent continuer à faire de Nantes une ville de la connaissance. Innover, c'est continuer également à parier sur les filières d'excellence, sur les filières émergentes. Et je veux, sur ces sujets, avoir une attention toute particulière pour les PME et les TPE. Elles font la force et la singularité de notre territoire. Alors, c'est avec la même mobilité, avec la même agilité, mais aussi avec une certaine sérénité que nous abordons, face à ces enjeux d'innovation, les grands défis de demain. Et je pense notamment à la transition numérique et la transition écologique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Toutes les grandes métropoles qui ont envie de contribuer à inventer ce monde de demain, aujourd'hui investissent sur la transition numérique, font le choix de la transition écologique. À Nantes, nous le voulons naturellement,
Mais nous voulons plus. Nous voulons autrement. Nous voulons le faire à notre manière, avec notre histoire et nos valeurs. C'est la raison pour laquelle, dans la candidature Nantech, nous avons insisté autant sur l'éducation au numérique, sur la lutte contre la fracture numérique. C'est dans le même état d'esprit que quand on bâtit ici, jour après jour, et collectivement, la transition écologique, on s'ouvre, on regarde loin. C'est ce qui nous a permis, tout récemment, d'être lauréat de l'appel à projet national Territoire zéro déchet, pour aller vers plus de recyclage, contre le gaspillage, pour une économie circulaire. C'est dans cet état d'esprit que nous bâtissons une transition écologique qui nous permettra d'être une source de progrès pour le plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle, en 2020, dans cette agglomération, 50% des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables. En 2015, nous accueillerons Vélocity, grand congrès international dédié au vélo. Et puis, en 2015, nous lancerons également un grand projet, le projet d'étoile verte, un beau projet qui visera à relier les grands parcs nantais. Nantes est aujourd'hui, en quelque sorte, une ville à 100 jardins. L'ambition est de faire de Nantes une ville dans un jardin. Ce grand parcours des parcs nantais, non seulement il devra être un lieu de respiration, de loisirs pour les Nantaises et les Nantais, mais nous sommes convaincus qu'il pourra demain également participer à faire de Nantes une destination touristique. Alors, cet investissement dans l'innovation, ce choix d'être mobile, ce choix d'être agile, ce choix de contribuer à une société en mouvement, c'est bien ce pari-là que nous avons pris. Mais nous ne pouvons pas prendre ce pari seul. Nantes, capitale régionale, métropole du Grand Ouest, a une responsabilité pour travailler collectivement et avancer en réseau. D'abord à l'échelle de nos 24 communes. C'est la raison pour laquelle, fidèle à l'état d'esprit de nos prédécesseurs, Jean-Marc Ayrault, Patrick Rimbert, Gilles Retière, nous avons tout récemment adopté un nouveau pacte métropolitain. J'ai proposé cette nouvelle étape pour la métropole. Parce que, depuis quelque temps, nous avons la loi MAPAM. Nous la devons à Jean-Marc Ayrault. Elle est venue reconnaître le fait urbain, souligner le rôle et la place des métropoles dans notre pays. Elle est aujourd'hui un point de stabilité pour chacune et pour chacun. Mais si nous nous étions contentés de gérer ces acquis, projetons-nous dans 2, 3, 4 ans. Eh bien, dans 2, 3, 4 ans, chers amis, je vous le dis, nous courions un risque, être petit à petit rattrapés par les autres métropoles françaises, perdre ce qui fait notre aspérité, notre singularité. C'est pour cela que nous avons fait un choix, reprendre un temps d'avance, cultiver cette singularité nantaise. Je ne veux pas ce soir détailler l'intégralité du pacte communautaire, ce n'est pas vraiment l'esprit de la soirée, mais simplement vous en faire partager les grandes intentions. Monter d'un cran sur l'ambition, l'ambition au travers du sport de haut niveau, de grands projets culturels communautaires, de certaines compétences, j'ai évoqué tout à l'heure les crèches interentreprises au service de l'emploi, mais aussi monter d'un cran sur la proximité, la solidarité, une métropole encore plus proche, encore plus incarnée sur nos 24 communes. C'est le sens d'une solidarité financière accrue entre nos communes et notamment une dotation encore plus forte pour les plus petites communes de la métropole. Mais c'est le sens aussi de la possibilité ouverte d'un soutien à l'investissement de la métropole à un projet qui serait porté collectivement par 4 ou 5 communes. Une métropole qui monte en puissance, une métropole qui garde toute sa force, une métropole qui prend toutes ses responsabilités, une métropole qui rime avec plus de compétences, ça pose, je crois, à un moment donné, la question démocratique. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, et la dernière fois lors de la venue du Premier ministre, je me suis prononcée pour l'élection au suffrage universel des élus des métropoles dès 2020. Mais notre responsabilité, elle dépasse les frontières de nos 24 communes. Parce que Nantes Métropole est une capitale pour toute la région. Je veux saluer ce soir le travail étroit que nous menons avec la région des Pays de la Loire. Saluer son président, Jacques Auxiette, son premier vice-président, Christophe Clergeau. La métropole et la région forment un binôme essentiel sur les questions de demain. Je pense à l'enseignement supérieur et la recherche, au développement économique, sujets sur lesquels nous assumons un leadership partagé
qui sera formalisé tout prochainement au travers d'un contrat métropolitain. Des liens tout aussi étroits nous unissent avec le département. Malheureusement, les règles préélectorales m'interdisent d'en dire ce soir davantage, je les respecterai donc scrupuleusement, mais j'ai néanmoins le droit de saluer très chaleureusement son président Philippe Grosvalet et je ne vais pas m'en priver. Mais l'alliance des territoires, ça dépasse la simple question urbaine. En France et de plus en plus, on oppose rural et urbain. On entretient parfois ce clivage au lieu de chercher des réponses pour le réduire. Je crois que c'est aussi la responsabilité d'une grande métropole que de se préoccuper de ce sujet. Parce que quand une filière de pointe, d'excellence, se crée sur l'île de Nantes, par exemple, et qu'elle vient renforcer, conduire toute une filière de sous-traitants sur les territoires environnement, on voit bien, de manière très concrète, très pragmatique, que ce qui est bon pour Nantes est bon pour les territoires environnants, que ce qui est bon pour les territoires périurbains ou ruraux environnants est bon pour Nantes. C'est dans cet état d'esprit qu'avec David Samzin, le maire de Saint-Nazaire et président de la Carène, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape à la coopération entre les villes de Nantes et de Saint-Nazaire. Deux grandes villes qui coopèrent ensemble au service d'un territoire qui les environne. Mais Nantes est aussi une grande métropole dans le Grand Ouest. Alors quand nous travaillons avec Rennes, Brest, Angers et Saint-Nazaire, quand nous travaillons ensemble, c'est parce que nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces, nous sommes meilleurs pour peser en Europe. Quand nous soutenons très concrètement des coopérations plus approfondies entre nos CHU, que nous soutenons un projet d'université en commun, Loire-Bretagne, c'est parce qu'avec les universitaires, avec les chercheurs, avec les étudiants, avec les acteurs économiques, sociaux, culturels, sportifs, nous sommes convaincus que jouer l'alliance de nos territoires est non seulement un moyen pour figurer sur les cartes européennes, mais aussi pour inventer collectivement des nouvelles réponses concrètes et efficaces au service des citoyennes et des citoyens. Je terminerai mon propos par cette question. Au service des citoyennes et des citoyens. La nouvelle gouvernance que j'ai appelée de mes voeux, c'est tout simplement considérer qu'en 2014, on ne construit plus une ville, on ne construit plus une métropole sans ses habitants, sans les acteurs. Agir, ce n'est pas agir seul. Je crois profondément à la force du collectif. On construit des grands projets en fédérant les talents et les énergies. On invente des projets au quotidien en s'appuyant sur l'expertise d'usage de ceux qui vivent la ville. C'est dans cet état d'esprit que nous avons, par exemple, lancé le grand débat sur la Loire. Ce grand débat, il est venu de vous. Quand il y a maintenant 3 ans, nous avions lancé la démarche Nantes 2030. Inventons la ville que vous souhaitez dans 20 ans. Nous avions posé une question. Quel est pour vous le plus fort symbole de la métropole? Et très loin devant tout le reste, vous aviez répondu Nantes. Alors oui, les enjeux sont nombreux. Les enjeux économiques, les enjeux écologiques, les enjeux des usages. Je ne vais pas les détailler tous ce soir. Nous avons confié les clés du débat à une commission indépendante. Elle nous rendra son rapport au mois de juin. Alors viendra le temps des décisions. Les élus les assumeront en responsabilité. Le travail collectif, c'est aussi dans cet état d'esprit que nous avons abordé l'épineuse question du travail le dimanche. Nous sommes les maires de l'agglomération, nous l'avons écrit dans un vœu collectif voté à l'unanimité, opposé à la généralisation du travail le dimanche. Ce n'est ni le modèle de société que nous défendons, ni le projet de territoire que nous construisons ici. Néanmoins, nous avons considéré que concernant les dimanches avant Noël, il y avait là matière à débat, à discussion. Nous avons donc installé le dialogue, ce qui nous a amené à cette décision de dimanche après-midi, une ouverture dédiée exclusivement au commerce de proximité qui participe de la qualité de vie nantaise, en nous appuyant sur un dialogue social territorial innovant. C'est notre méthode, c'est ma méthode, je la revendique et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que ce n'est qu'un début. 2015 sera l'année de la refondation du dialogue citoyen à Nantes. Mise en place du Conseil des usagers de l'espace public, mise en place du Conseil de l'égalité hommes-femmes, refondation des conseils de quartier, instauration pour la première fois à Nantes de budget participatif et mise en place d'un bureau des projets dès 2015. D'un bureau des projets qui accompagnera les initiatives citoyennes,
Parce que oui, à côté des associations qui jouent, je l'ai souligné dès le début de mon propos, un rôle déterminant dans notre ville, dans notre agglomération, et nous ne laisserons jamais personne ici dire le contraire. À côté de ces associations, de plus en plus de citoyens s'organisent, parfois sous des formes différentes, parfois sous des formes renouvelées. Elles interpellent des grandes collectivités locales comme les nôtres. Nous devons nous mettre en question pour répondre à ces nouvelles attentes. Alors, une gouvernance partagée dans la sixième ville de France, ça ne s'improvise pas. Ça demande des règles. Avoir l'honnêteté intellectuelle de dire ce qu'on met au débat, ce qu'on ne met pas. Ça demande de l'ingénierie, parce que si c'est sérieux, si c'est authentique, si c'est sincère, ça ne s'improvise pas. Mais au-delà de ces outils, et j'en ai cité quelques-uns, le conseil municipal à Nantes aura à se prononcer sur ces éléments à la fin du mois, je crois que ce qui compte d'abord, c'est l'état d'esprit collectif. Parce que ça oblige tout le monde à bouger, à changer sa manière de faire, à sortir de la traditionnelle logique de l'action publique où un habitant pose une question et un élu dit oui ou dit non. Ça implique de mettre les acteurs autour de la table pour construire, chaque fois que c'est possible, des solutions partagées. Eh bien, je crois qu'à Nantes, nous avons collectivement les moyens de relever ce défi, retrousser nos manches pour dire que dans une société qui crie à la montée de l'individualisme, oui, nous, collectivement, nous avons envie de continuer à construire du commun, du collectif. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur un service public compétent, engagé et efficace. Je veux leur redire ce soir mon plaisir, mais aussi ma fierté, de travailler avec eux chaque jour de la semaine. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons nous croiser bien souvent en 2015. Nous allons nous voir bien souvent pour agir, agir ensemble au service de Nantes. Mais en attendant, profitons de ce moment particulier. Permettez-moi de vous souhaiter à chacune et à chacun une très belle, une très heureuse année 2015. Bonne année à Nantes, bonne année à la métropole, bonne année à ces 24 communes.